Allez, deuxième épisode pour YouTube. Chez Chak et Bob. Refun fan. Je sais déjà plus où je suis allé. Je suis allé où déjà? Oui, si, ça y est, je sais où je suis allé. Si, 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 ça y est, je vois. Je refais le chemin. Je suis allé en face. Oui, ça me revient. Ça y est, je vois où est-ce qu'il faut... Il faut absolument... Va falloir que je gère le zombie cette fois-ci au flingue et pas aux pompes. Très très bien. La première fois, franchement, ça a marché. Renache. Attends, j'ai que 2 balles dans mon flingue. Il y avait des balles au pied du miroir, je sais plus où là. Si je vais là-bas, oh, ça va être fermé, non? Verrouillé, emblème de la famille Spencer est gravé carrément sur la poignée de la porte. Ok, ça déconne zéro. Ah! Je croyais que c'était un reflet de moi dans le miroir. Quelle horreur! Merde. Couteau, couteau. On ne panique pas, on ne panique pas. On ne panique pas. Oh, ils sont trop coriaces! Non. Penche-toi et bute-le. Mais non, mais... Mais j'ai donné un coup de poignard! J'ai donné 2 coups de couteau! Re-edge! Oh là là! Alors, merdoum. Il faut que je retourne chercher des balles de flingue. Sans flingue, je suis mort. Même les zombies de base au couteau, j'arrive pas à me les faire. C'est une horreur. Voilà, le repas est servi. Ouais, tu m'étonnes. Oh la vache! La cruauté de ce jeu. Non, il faut que j'aille là où il y avait des balles de revolver, des munitions au pied du miroir. C'était en bas. C'était le truc à l'angle. Au pire cauchemar, sommeil dans les ténèbres. Ouais, tu m'étonnes. Alors, les balles de revolver étaient là-bas. Bon, je commence tout doucement à prendre mes repères. Il faudra peut-être que j'apprenne à diriger l'héroïne. Dur. Il y avait des munitions au pied d'un miroir. Ensuite, je rebrousserai chemin. Eh ben, c'était pas là qu'il y avait les... Bon, là, il y a les corbeaux, d'accord, mais...
Merde. Il était où mon beau miroir avec les munitions devant? Ah, je suis dans le doute maintenant. Je sais plus. Couloir des chiens, tu peux pousser un buffet, trouver des balles. C'est bien comme dans l'original. Ouais, si seulement. Alors, je crois que mes balles sont par là-bas. Normalement... Oui, c'était après le gars, le 1. Là, je vais avoir mes balles bonus. Dans le normal, directeur cuts. Voilà! Mes synchro 5 balles. Oui, tu m'étonnes que tu vas les mettre. Tu vas combiner tout de suite. Ce qui fait que là, j'ai enfin du répondant. Ah oui, c'est vrai que celle-là, elle est verrouillée, ouais. On y reviendra une autre fois. Director's Cut, elle t'apporte la visée partielle, cinématique, sont pas censurées et en couleur. Ouais. Ouais. Surtout la semi-visée automatique, ouais. Fait, le coup des poignards partout, ça m'énerve. L'ambiance est extra. Je bois un coup. Donc j'étais en bas normalement. Voilà, elle peut se manier un peu les fesses. Enfin, vraiment, vraiment être méticuleux et faire les choses dans l'ordre. Oui, j'utilise la clé blablabla. Mais d'accord que si je cours, c'est la même scène. Ah, attends, voir. Attends, je vais vérifier ton idée, Christella. Je m'en fous, les poignards. C'est pas un poignard dont j'ai besoin. Une représentation du manoir suspendu dans l'obscurité. Là, pareil. Celui-ci est immuable. Ce ne sont que quelques assiettes ornementales. Les assiettes ornementales. Les assiettes de la moelleté. Ah! Ah! Là, je dis oui. Merci, Christella. Je me sens encore mieux. J'ai, comme qui dirait, un droit de réponse sur les zombies et les autres bestioles du menhir. Les bestioles du menhir. Attends, je vais éviter de courir tout le temps parce que... Je veux absolument atteindre ce foutu coffre. Mais il m'a vu. Il m'a vu. Voilà. Hop là. Ouais, dans mon ligne de mire. Eh, 6 balles, ça va? Mais non, mais...
Je croyais qu'il est tombé en arrière, cet abruti. Putain, mais c'est pas vrai. Oh. Non, recule, Nunuche. Il est où? Avec ses angles de vue de mort. Oh non, l'autre descend. Ah oui, elle vise instinctivement le... D'accord. Oh ouais, c'est la merde. Mais c'est injouable. Mais c'est des tanks sur pattes, les zombies de base. Les poignards servent quand tu te fais mort par un zombie, elle lui plante dans la tête si tu appuies sur une touche. Ah, c'est balèze! Ah, c'est balèze! Mais vraiment! On va avancer d'un ruban encore par week-end, hein, je vous le dis. Ça va être... mais vraiment! L'été prochain, je suis encore dessus. À ce rythme-là... Oh, merdoum! J'ai une variante. Une variante. Attention, se planquer 2 heures dans un placard n'est pas viable. Tu rigoles, mais... Oh là là. Oula, elle m'a fait un dérapage, je sais pas quoi là. Attends, c'est. Ah non, c'est l'autre d'après que je peux. Voilà, c'est celui-là. Mais. Jill! La bonne façade, s'il te plaît, de l'objet. Enfin, plutôt la bonne face, parce qu'une façade, c'est un bâtiment. Merci, Jill. On combine, histoire de pas avoir chargé en pleine action de la moelleté. Ce serait apprécié. Il m'a vu ou... Parce que si je cours dans l'angle, je vais affoler l'autre. Mais tire! Ça devient frustrant. J'arrive pas à les gérer. Je veux atteindre ce foutu coffre de mes deux.
Oui, mes pires cauchemars sommeillent dans les ténèbres. Oui, merci pour la citation du jour. Du coup, j'ai envie d'essayer le truc du milieu là qu'on n'a pas lu. Elle va dire un truc. Femme puisant de l'eau. Voilà, magnifique. Non, je t'ai pas demandé de danser. Non, danse pas la Macarena. Jill, vilaine fille. Merci. Gris. Et tu cours dans le couloir, jour et nuit, sans aller, tu coules, et tu cours dans le couloir, chez n'importe nawak. Je veux cette malle pour gérer mon inventaire et me sentir mieux, poilogneux. Oh! Merci. Top départ, la vachette! Ah, pas sûr qu'il soit mort, lui. Ah, oh, merde! Je suis déjà... Ah oui, il faut que je fusionne mon... Pardon. Oui, bah je le gérerai plus tard. Je veux mon coffre. Oh, frustration. Ouais, cette fiole de je sais pas quoi. Le diamant. Les herbes, allez, go. Ah, cette musique. Couteau, mais comment veux-tu planter un zombie au couteau là? Je veux des munitions de pistolet. Oh, des plantes, il y en a pas mal. Mais non, mais c'est la liste que je voulais faire défiler, moi. Y a pas une surprise dans la liste? Une bonne surprise. Allez. J'avais regardé au milieu, vous avez droit à une plante gratos. Vilain jeu. Mais il y a combien d'objets? Mais c'est quoi cette liste interminable? Mais même un rouleau de papier hygiénique dans leur toilette est pas aussi long. Wouah. C'est une gourde. Et là, tu parles mal. Laquelle? Ça parle mal. Admirons la gourde. Examinez. Vous pouvez transporter avec vous du carburant pour vous éclairer à l'aide d'un briquet.
Vous, vous êtes une femme, Barbara Gourde. Elle était facile, elle est des nuls. Re-Arsenas, je réfléchis. Ah! Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons de nouvelles informations sur ces creatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Eh ben, un pieu et de l'ail. Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection. L'incinération et la destruction des cadavres. Alors excusez-moi, mais incinération et destruction des cadavres, c'est à peu près la même chose. Mais bon, bref. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir. Prenez-en autant que nécessaire. C'est horrible ce document. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer. Vous devrez vous le procurer par vous-même. Très drôle. Très très drôle. Oui, merci, merci pour le lurk, le sous-marin. Merci. Je me demande si la boîte à outils... Oui, une vieille machine à écrire, oui. On va pas sauvegarder tout de suite non plus. On va essayer d'être prudent avec les zombies de mes deux. Deux vieilles boîtes et des escabeaux ont été laissés à l'abandon. Ah bon, t'as besoin d'aide à Minecraft? Il y a deux bébés zombies à côté de ton lit. Ah. T'es vraiment dans la mouise-mouise? Attends, Torota, t'es vraiment dans la mouise-mouise? Parce que si je lance rapidement de mon côté pour t'aider exceptionnellement... Mais encore, je suis loin, moi, quand je m'étais déconnecté hier ou avant-hier. Parce que, attends, Nayonet, je crois qu'il est pas là. Qui peut t'aider dans Minecraft? Nashelfman, est-ce que tu peux l'aider? Excuse-moi, Nashelfman, je sais pas si tu es disponible à pouvoir aider Torota dans Minecraft. Pour voir. Parce que oui, tu meurs dès que tu réapparais, ce qui est pas normal d'ailleurs, mais bon, bref. C'est embêtant. Ah, tu me mets dans une gêne, Torota. Attendez. Bah oui, moi même moi je sais plus où je suis dans Minecraft. Oh, t'es terrible. Oui, salon Discord. Ouais, c'est au pire. Ah, c'est terrible ce genre de moment de flottement, mais j'aime pas vous laisser dans la mouise dans les jeux. Attendez. Vous pouvez pas vous guider dans Minecraft, je sais pas quoi. Attendez, moi je me mets le... Je vais voir le Minecraft en arrière-plan exceptionnellement, mais le temps qu'il se charge... si on regarde le salon Discord, on voit le problème, ou alors tu me donnes les coordonnées en jeu et j'arrive. Ouais, vous allez essayer de vous entraider, ce serait sympa. Ouais, ce serait cool parce que là... Je suis censé être dans mon Resident Evil et ça casse complètement l'immersion. Merci Nashelfman, ouais, essayez de vous dépatouiller entre vous là parce que... Je suis censé rester dans le... Ah, dans le Resident Evil, il reste encore plein de kérosène. Remplir votre gourde. Ah! D'accord! Donc là, elle est pleine de... D'accord. Mais j'ai pas de briquet, c'est pas cool. Il manque un briquet pour les flamber. On y retourne.
Wouah! Non, bah si elle pète. C'est drôle. J'ai rangé mes armes. Mes herbes. Mes armes. Merde. Bonjour à ceux qui arrivent. Pardon, excusez-moi, je deviens fou. Allez, montre-toi. Qu'on en finisse, toi ou moi, vilain. Non! Oh, j'en peux plus! Ce jeu va me tuer dans le sens premier du terme. Alors là, je dois être bien dans le mal. Là, je pense que je peux prendre carrément un spray parce que je suis pas dans le rouge. Si, je suis dans le rouge. Allez, utilisez le spray parce que. Oh, quand j'aurai un briquet ou un équivalent, je vais être heureux. Ah oui, c'est vrai. Non, pète pas la clanche, pète pas la clanche. Ouais. On ne parle pas. Tu me diras, tant qu'il ne met pas le grimpin dessus, je peux avancer. C'est verrouillé, emblème d'une armure, blablabla. Là, il y a quoi? Il y a rien. Oh, il y a un beau tableau. Une femme en danger. Coucou. Fous-moi les jetons. Retue une scène. Ah, la porte s'ouvre. Ah, il y a beaucoup de soins. Une cheminée sans feu. Oui, ça je m'en souviens par rapport au tout premier. Et il a l'air d'avoir le plan du manoir. Tableau mystère. Ouais, bah ici, il y a beaucoup de tableaux mystérieux. Il n'y a pas un objet... C'est pas, on dirait, un objet dynamique au sol. C'est bizarre, non? C'est un portrait. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque gravé. Ok. La question est, où est le briquet? Le tableau d'un manoir inachevé ressemble à s'y méprendre à celui dans lequel vous vous trouvez. Ouais, bah ouais. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Un trou du cul. En passant par la forêt ténébreuse s'étend à perte de vue, il n'y a apparemment aucune habitation aux environs. En passant par la Lorraine. Oh, bah, je vais ramasser les plantes pour les ranger dans le coffre. T'as fini, oui, canaillou. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots, Lorraine, pression par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine. Vache. Avec mes sabots. Bon, bah bien joué, avec merci d'avoir été en retard. Effectivement, ouais, je comprends ta galère. Ouais. Avec
des bébés zombies qui prennent ton matos. Mais je... Lundi, demain. Demain, je vais retourner dans la coulisse, gérer le Minecraft et voir ce que je peux résoudre en problème. Je vais refaire... quitte à y passer ma soirée de jeu, tant pis. Mais je ferai le point de comme on... Voilà, hein, ça bouge, il y a une nouvelle version. Je referai le point sur ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Une femme en deuil devant la foule. Voilà ce que dit le tableau. Évidemment, il est mal placé. Évidemment. Oh, je suis là. Voilà. Avance, avance, avance. Cours, cours, cours. Retourne-toi et tire. Non ! Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions d'exemplaires. Mais comment qu'il me et le jeu favori du sage. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craftofvg. Mais... Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Mais c'est une blague. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. D. Mais ils sont ingérables, les zombies. Ingérables. Attends, et une fois que j'ai le couteau... Putain... Mais si je bouffe à un soin complet à chaque zombie croisé, je finis pas le jeu, hein. C'est l'enfer, mais à son paroxysme. Oh merde, et puis j'aurais dû dépasser le zombie ailleurs. Je suis pas censé revenir là. J'essaie de me le faire au couteau, mais j'y crois pas. Allez, viens, salopard. C'est frustrant. La difficulté, elle est beaucoup trop élevée. Alors, ça fait réaliste par rapport à au scénario. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, je suis deg. Il faut que je repère le plus rapidement possible ce qu'il me faut. Le briquet. Là, j'ai la salle avec la fiole. Je sais où elle est. Bon, il ne reste plus qu'à l'atteindre. Il faut que je trouve le briquet pour les flamber. Parce que... Le rêve, c'est le lance-flamme. Dites-moi qu'en dernière arme, certes, en infini, je sais pas quoi, ultra bonus, ils ont eu le bon goût de programmer le lance-flamme. Parce que doucher au lance-napalm, au lance-flamme, on lance ce que vous voulez, les zombies, ça doit être le pied, là. Si je pouvais, entre grosses guillemets, me promener dans le manoir, je ferais la récolte des objets puisque j'ai accès à ma malle de rangement. C'est le truc à faire avant de continuer à résoudre les énigmes et patati patata.
histoire d'être 100% confort. Et puis de démarrer en douceur l'œuvre. Mais là, non, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, ouais. Tu feras attention, j'ai dépensé les 25 000 bergas. Oui, alors il faut me le... Yes, je peux enfin tout dépenser. Quoi? Mais oui, coup de la commande. Il y a Saul Goodman aussi qui l'avait acheté, qui m'a toujours pas dit ce qu'il voulait. Sachant que ça peut être un son, hein, si vous avez une envie de son particulier, vous aurez vos propres commandes, oui. Mais oui, je me le noterai. T'as raison. Je vais boire un coup. Oui, oh, vous avez le temps. Merde. Le briquet. Où va être le foutu briquet? Ouais, je passerai au Lego à 17h. Merci. Et reste couché parce que tu me gaves. Nash dit, il faut surtout me dire ce que tu interdis, je ne voudrais pas faire une bourde. Bah, c'est simple, de toute façon, je vais te le dire si c'est interdit ou pas, puisque je ne mettrai pas en place tant qu'on n'aura pas échangé entre nous en message privé. Donc il faudra que tu me le dises en message privé. Là, je t'avouerai Nash, tu me le dis là maintenant dans le chat, je pourrais peut-être te répondre en direct, mais tu penses bien que je ne vais pas programmer en direct la commande. Je le ferai un jour de repos, évidemment, mais t'en fais pas. Tu pourras me contacter autant de fois que tu souhaites. Ah là là. C'est Julia Volz. Elle est jolie, yeux gris. Le modèle de cet opus qui a... Ah ouais, d'accord. Ah, intéressant, merci pour l'influence culturelle. Ok, c'est l'actrice ou mannequin Julia Volz qui a servi de modèle. Ok. Oui, je disais, elle était bien modélisée. Ouais, ouais. C'était plaisant. On voit que la malle est bien lourde. C'est une canadienne. Ok. Dakodak. Tu es une canadienne. Évidemment, je me demande à quoi me servent les couteaux. J'y crois même plus, les couteaux. Ah oui, merde. Autant que je fusionne les deux rubans. Enfin, les cinq rubans encreurs. Voilà. Spray de secours, hop, munitions pour pistolet, oui. Oui. Non, voilà. La santé, ouais, c'est limite. C'est limite, donc si je me prends une petite herbe, ce sera bien. Ah! Si seulement j'avais un briquet. Eh mais attends, mais il faut bien lire l'image. J'avais pas vu, mais il y a un chargeur là. Il y a une lanterne sur les caisses, sa lumière chaude vous détend. Oui. Eh, il faut bien lire l'image. C'est comme les point and click d'aventure là, un pixel près. J'avais pas vu la première fois, mais il y a bel et bien un chargeur. D'accord. Oui, remplis la gourde. Oh, ça me fait chier de sauvegarder là alors que... Je peux faire... Ouais, mais je vais péter la clanche si je pars vers le bas. J'aimerais bien faire un tour pour avoir le fusil... Ouais. Mais où est ce foutu briquet? Hop. Trop tard, oui, on se barre. Parce que lui, il me les brise.
Il m'a vu. Il m'a vu. Merde, mais ils ont pas de recul avec les balles qui digèrent dans le bidon là, les trous nounouf. Merde, c'était peut-être la porte que j'ai loupée, mais c'est trop tard. Vous avez déverrouillé la porte, j'espère bien. Oh là là! Mais ces zombies, mais c'est... Les zombies ingérables. Double plaque de bois. Tant qu'à faire, oui. Fais-toi plaisir. Oui, mange le... Enfin, mange. Spray de secours. Oh oh, il y a un truc au niveau des volets, là. C'est verrouillé, l'emblème d'une armure, blablabla. Attends, c'est l'ombre de L, hein. On est d'accord. Bah, alors, je me disais, mais pourquoi elle réagit pas à la porte? Je veux le foutu briquet. Je suis heureux d'avoir utilisé la clé épée. Il me faut le foutu briquet. Là, je te flambe les zombies. Oh, merde. Heureux, Cocosy. J'espère que ton dimanche se passe bien. C'est verrouillé. Armure. Ouais, c'est pas bon. Où est-ce que je pourrais trouver un briquet? Oh, pas dans le jardin de la mort. C'est verrouillé, casque. C'est verrouillé, casque. Ouais, ça se passe bien, c'est cool. Oh, on va se faire peur. Oh, j'ai envie de me faire peur. Oh oui, allez, vas-y. C'est quoi qu'ils ont programmé comme scène? Ah non! Ah non! Oh non, ils rentrent pas normalement. Mais non! Mais non, mais non, mais vous êtes dégueulasse! Non, ils rentrent pas normalement. Oh les salauds. Oh les salauds! Normalement, elle a le réflexe de bloquer le cou dans la porte. Mais non! Mais je suis dans la merde maintenant. Oh, c'est dégueulasse! Oui, c'est très vache. C'est très très moche. Bon, tu vas nous fabriquer un briquet, toi? J'en ai marre! Il y a du sang par terre! Espérons que ce n'est pas celui d'un de vos amis. Ouais, bah tu parles. Pas glauque du tout. Tiens, il n'y a rien derrière ces rideaux bizarres. Ah, et puis la planche de bois. C'était... Attends, il faut l'analyser, la planche de bois. Examiner. C'est un livre. Rien d'inhabituel. Mais si, c'est un livre. Là, on voit des... Mais... Oh! Ah bon? C'est pas un livre? Ah, c'est un livre. Je me disais aussi. Un papier se trouve à l'intérieur, il n'y a rien d'écrit dessus. Double plaque en bois. Double plaque en bois. Où est-ce que j'aurais besoin d'une double plaque en bois, moi? Double plaque en bois. Une double plaque en bois. Pourquoi? Ouais, j'ai suffisamment de balles, je vais pas... Alors, épée... Oh! Oubliez-moi, monsieur. Oubliez-moi.
Oui. Heureusement qu'ils sont pas fututes. Attends, faut tout inspecter. Ah oui, il y a les corbeaux, c'est vrai. Tout doux, tout doux. On n'excite pas les corbeaux. Oui, bah non, non, non. Je veux pas qu'ils mutent les zombies. Parle pas de malheur. Ouais, il y a lui. Alors attends. Est-ce que. Bon, je prends les plantes ou pas? Je vais récupérer les munitions. Ça, c'était quoi? Fermé de l'intérieur. Ouais, depuis l'autre côté, ouais. Ouais, non, il n'y avait rien, je crois. Bon, là, je peux courir. Voilà. Là, ça fait plaisir. Vite. Ça, c'était un crâne gravé, je crois, un casque. Ah non, c'est verrouillé de l'autre côté, c'est encore pire. C'est encore pire. Dur, dur, dur. Qu'est-ce que j'ai vu? On aurait dit qu'il y avait quelque chose au sol. Je vais utiliser la clé épée. Ça va où? Je sais plus où ça va ici. Je me souviens plus. Merde, je sais plus. Ah oui, là il y avait un extérieur flippant. Allez, viens, monsieur zombie, on n'en parle plus. Et une balle perdue. Merci, j'espère qu'il va rester tranquille un moment. Combiné. Il y en a un autre. Tu peux pas lui mettre un coup de genou dans les roubignoles, ma grande. T'as pas appris les cours d'autodéfense? Oh, il était à un mètre de toi. Mais j'espère bien que t'as déverrouillé la porte. Oh, il y a des manches, j'ai l'impression qu'elle est nulle. C'est triste, hein, parce qu'elle est censée être... Excusez-moi, mais je m'énerve. C'est dur. Il y avait sûrement quelque chose d'intéressant dans l'étage du bas. Oh, c'est pas une question de couleur de cheveux, c'est juste qu'elle est censée être douée comme Nana, et ce qui me rend fou, c'est que... Il devrait y avoir une touche pour mettre un coup de genou dans les roubignoles du zombie. Enfin, tu me diras, quand ils sont infectés par le virus, la première chose qu'ils perdent, c'est leur organe reproducteur. Que je me souvienne dans la logique Resident Evil. Donc ça lui fera peut-être pas grand-chose, mais...
Mais il y en a combien? Là, il n'y a pas une salle. Oh, je la sens pas. Oh, lui, il va me sauter dessus à la sortie de la pièce. Je regrette qu'elle soit pas plus habile, la Miss. Vraiment. Elle mériterait à faire des arts martiaux, je sais pas. Il y a plusieurs types, la plupart ont une teinte douteuse. Oui, il y a plusieurs types de fioles, c'est ça, j'ai lu trop vite. Ouais, de sérum, ouais. Oui, ça c'est pour Rebecca Chambers, l'infirmière du groupe Beta. Enfin, de l'équipe Bravo, pardon. Une vieille machine à écrire, si jamais un ruban encreur, blablabla. Non mais là, je vais sauvegarder parce que... J'en peux plus. Vous avez un briquet, bande de trounounous. Un briquet me fait tellement plaisir. Bon, la planche, je la range. Là, j'ai encore des... Voilà. Je veux dire, tant que j'ai pas de briquet... Ruban encreur. Allez, on va sauvegarder, là, parce que ça me bouffe. Ça me bouffe. Repose-toi. Un lit qui a bien servi. Une vieille machine à écrire. Voulez-vous sauvegarder? Oui, parce que là... médical, ouais, tu m'étonnes. J'ai sauvegardé, donc je peux faire un peu l'idiot. On dirait qu'il est mort depuis quelques heures. Mais il est vraiment mort ou... Ce sont des caisses en bois, elles sont couvertes de sang. Bon, bah laisse tomber. Danseuse ballerine, là, non? Non, je sais pas. Tiens, c'est bizarre, il y a autant de photos dans le... Alors, il n'y a que des produits de nettoyage à l'intérieur, l'odeur est assez désagréable. Ouais. C'est vrai que la surface de pièces à nettoyer, ça devait pas être drôle. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Un briquet, je vous en supplie, je vais trouver un briquet. Oula. Ah, il y a un objet là. Batterie au lithium. Si tu veux, je vais analyser l'objet, mais... Bah, il est passé où l'objet? Simplement de vieux meubles. Ah, il y a un fusil de substitution. Le fusil caché. J'ai le fusil caché. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. C'est tout, il n'y a rien d'autre? Ah, plein de kérosène. On peut recharger encore les briquets. Oh, j'ai une louche. Non. Encore que je dis non. Parce que non, je vais me retrouver dans l'autre salle de sauvegarde. Donc oui. Si je pense déjà, si j'anticipe déjà bien le mouvement que je vais faire dans les pièces. Oui, non, non, oui. Oui, non, non, oui. Je ne sais plus ce que je veux. Ce dont j'ai envie. C'est verrouillé. Oh non! Demi-tour toute. Oui, bah du coup, je vais ranger dans le... Je vais me faire
En papa outé. Pourquoi j'entends zombie? Ah, le zombie à l'étage du dessus. Le vide gredin. Oui, allez, range-moi le ruban encreur et puis... Merci. Fusil. Oh, je peux le garder sur moi. Par contre, c'est limite si je pourrais pas ranger la clé. Parce que la clé, je crois que j'ai tout ouvert, non? Ah non, je dis des bêtises. Je crois parce que j'ai fait beaucoup de morts. En allant un peu partout, mais je suis pas revenu dans ces pièces, en fait. Je dis des grosses âneries. C'est un jardin extraordinaire. Oui, gros vilain, je te flamberai un jour. Tu trouveras le repos éternel. C'est terrible. Ah, je peux récolter des plantes. Bon, on va voir si je cours, ça j'attire pas le danger. Je vais pas être puni si je cours. Tiens, je suis pas allé là. Non, il y a rien. Où j'avais déverrouillé la porte. Oh, puis j'ai le foutu clébard en bas avec mon ânerie, moi. Ah! 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 Il s'est monté les escaliers, cet abruti! Mais lâche-moi! Ah! Oh, je le voyais en bas, moi! Oh! J'ai failli avoir un arrêt cardiaque, crétin! Mais non, mais... Je peux pas me défendre, une fois qu'elle est au sol, la malheureuse, elle est mordue au cou. Oh, je croyais qu'il était en bas, l'autre. Je me voyais pas courir dans les escaliers et me rattraper en haut. Oh, excusez-moi, mais là... Attends, je suis à combien? Bonne mère. Oh, il m'a foutu un sursaut, cet idiot. Ça va. J'ai dû avoir une petite pointe à 100 sur le moment, là, quand j'ai hurlé, je sais. J'ai plus parlé français. Oh la vache! Mais c'est parce que j'ai vous savez, la bêtise du précédent, où je me dis, il n'y avait pas assez de mémoire pour charger les deux étages. Donc je m'étais mis une barrière psychologique où je me refusais à me dire que le chien pouvait monter. C'est aussi bête que ça. Oui, merci. Bah oui, bien sûr. Alors là, il vous a offert sur un plateau le clip. Merci. J'en ai des démangeaisons tout partout. Merci. Oui, alors attends, c'est... Oui, non, c'est là-bas qu'il y avait le fou fusil. Mais oui, zombie, on s'était à l'étage. Allez, go. Alors, les piles lithium, lampe torche. Ah, ce serait horrible. Des passages en lampe torche. Ouais, fusil cassé. La batterie au lithium. Batterie qui disparaît dans les ténèbres de l'inventaire. Batterie au lithium. Ouais, à part pour une lampe torche, à quoi ça peut servir ? Bizarre. Très bien. Très joli demi-tour. Elle s'est bien exécutée. C'était très bien.
J'ai plus envie d'affronter le Kebar. Non. Chien qui va m'attendre quand je vais ouvrir la double porte là. Faut que je me cale à l'angle et que je l'attende pour le fusiller. Qu'est-ce qui m'a pris d'ouvrir la double porte pour rigoler, moi? Il court, hein, le salopard. Non! Retourne-toi, il est dans ton dos! Vite! Non! Ah! Quelle horreur! Cette scène est horrible! Vite, ressaisis-toi, ma grande! Je veux pas examiner mon flingue, il est magnifique. Je veux au secours. Non, je vais combiner mes balles. Nous restons calmes. On est calme, restons calmes. Il est mort, hein. Salopard, il m'a mis dans le mal. Je déteste les caméras fixes. Ah ouais, non mais... Oh, elle est mourante. Au secours. Je suis le plus mauvais joueur de Resident Evil. J'ai honte. Oh la pauvre. Alors je ne le ferai pas, mais je devine que si on rouvre la porte, il y a le deuxième qui rentre. C'est pour rire. Voir si l'animation n'est pas illimitée. Il y a peut-être un trophée derrière d'ailleurs. Ouais, ouais, il reste deux chiens derrière. Ouais. Merde, et puis j'allais l'ouvrir, moi. Pff, je croyais que c'était la porte intérieure. Mais on ne veut plus ouvrir cette porte, c'est trop dangereux. Oui, merci, Jill, je suis un crétin. J'ai entendu dire que Capcom a justifié caméra fixe. Il disait qu'à l'époque, Resident Evil était avec des caméras. Ouais, des caméras fixes, ouais. Oui, c'était pour garder l'ambiance de l'époque. Réfléchissons. J'ai pas trouvé le foutu briquet ou un équivalent de briquet. Merde. Oh, j'ai du mal fouiller une pièce. Parce que c'est petit, un briquet. Hein. J'ai du mal fouiller une pièce. J'ai du mal regarder quelque part. Je suis encore dans le mal. Oui, non, mais j'avais compris. Oh, le fusil, en vrai, est intéressant. Le fusil en vrai est intéressant, mais je sais même plus où il est. Ça met nous ça déjà? Ah oui, merde, c'est. Oui, j'ai appuyé une fois de trop, excusez-moi. Oh là 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 là! C'était là le coup du fusil? Ah oui, c'est la scène gore. Je gagnais quoi là? Je sais plus. Oh, je la rejouerai plus tard. Je préfère réussir la scène du fusil et puis. Je sais même plus ce qu'il me donnait le zombie. J'avais un cadeau, mais quoi? Je sais plus. Oui, le coup de la. Voilà. Oh la vache.
Oui, quelque chose à policier, une odeur accomplière. Oh, si seulement on pouvait avoir un... Oui, point de fusil, et à la place je mets le vilain, le fusil pété. Voilà. Là, ça se passera beaucoup mieux. Le ruban encreur que je convoitais, voilà, là je les cumule. Une cruche en argent parfaitement polie. Et encore un couteau de la muerte qui va me servir à rien parce que je sais pas m'en servir. Ouais, allez, je le prends. Bon, quelque chose à polir ici. Et là, elle me dit des chevaliers, des statues de bronze, il n'y a rien d'intéressant ici. Bon, bah si tu le dis, ma grande. On va pouvoir le chevaler. Oh yeah, oh yeah. Daddy dada daddy daddy dodé. On va pouvoir se barrer. J'espère que je vais pas crever. Mais les décors sont magnifiques. Hein. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail graphique. C'est du grand art, ça, messieurs, dames. Allez, je peux le faire. On y croit. Ah, parce que... Il me faut le briquet, il me faut le briquet. Il est où l'autre? Il vient? Allez! Bougez votre boule! Comment perdre des balles parce que j'ai pas le briquet pour les flamber? Comment? Allez! Je suis là, brutu. Et la porte là, il va me dire que je peux pas l'ouvrir, c'est ça? Elle a pas de poignée, je peux pas passer. Voilà, ça c'est réglé. Je perds des balles! Si seulement je pouvais les flamber pour de bon, mais j'ai pas de briquet, merdoum. Il me faut un briquet. Mère, charme-toi sur la porte, nunuche. Puis ça, je sais même plus où ça mène. Ah oui, il y avait l'histoire du gramophone avec des trucs. Mais il n'y avait pas un briquet. Les pages sont vierges. Ah ! Mon sauveur ! C'était ça, le truc en rectangle. Ah ! Ah, je me sens mieux, là. Je me sens beaucoup mieux. Ah, le briquet, c'était ça. Je me disais bien que j'avais mal fouillé, bordeloum. Alors là, il y avait quoi? Siffler pour chien? Non. Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui est par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau de diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse. Et il devait rappliquer au son du sifflet pour ce chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Attends. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense.
Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à gagner. John Toleman. John Toleman. Putain, il est nouveau, lui, dans le scénar. Jeu d'échecs en ivoire. La partie s'est terminée sur un échec et mat. Ouais, munition de pistolet. Ouais, je veux bien. Ah, la vache. J'avais mal fouillé. Des livres sur le peuple de la Terre. Ouais. J'avais mal fouillé la première fois. Oh, je me sens mieux. De voir là, d'arriver à pouvoir les flamber, là, ça va. Vite. Mais... La perspective fait que je vois pas où était l'entrée de l'escalier. Oh, c'est rageant. Bon, au moins je sais où chercher, mais ça fait j'ai sué pour être poli. Non, je me suis trompé. Je m'arrêterai quand j'aurai sauvegardé avec briquet et... Hein? Histoire de me faire du zombie flambé, là, ça va être... Bon, là, je vais recharger parce que j'ai pris la mauvaise. Parce que je m'énerve. Mais... Oui, non, je sais plus jouer. C'est pas grave. On reste calme. Faut que je me souvienne de comment j'avais fait. Je sais déjà plus, je devais buter le clébard ou pas? Je sais plus. Ce qu'il dit de me le recoltiner une deuxième fois. Alors il y avait le coup du fusil à faire. Donc c'est reparti pour le coup du fusil. Et je sais plus si je venais de zigouiller le clébard ou pas. Je sais plus. Je sais plus. Alors, le faux fusil, c'est là-bas. En même temps, quelque part, ça fait plaisir de redécouvrir le manoir. Il y a... C'est dingue, après toutes ces années, il y a un rattachement de... C'est beau. Des lieux, aussi virtuels soient-ils. Mais... Merci. On est d'accord que si je suis dans l'autre pièce, enfin dans l'autre bout, il n'y avait rien. Oui, bon, là, c'est une recharge de kérosène, d'accord. Mais... Ah oui, il y a le ruban encreur. J'ai failli louper le ruban encreur. Ça aurait été dommage. Ça aurait été dommageable, surtout. Ça y est, je commence à avoir un œil qui me bouffe. D'ailleurs, c'est bizarre, ce zombie-là, lui, c'est pas relevé. Pourquoi? Merde. Faut que je me retape le clébard.
J'appuie sur toutes les touches. Et si je terminais le jeu en 2025 à ce rythme. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai ouvert la porte? Je regrette, hein. Vous n'avez pas idée comme je regrette ma bêtise. Ouais, je peux y aller comme ça. On me demande si c'était pas le portrait de Spencer. On aura le temps de s'attendrir sur les tableaux au mur quand j'aurai cramé plus d'un zombie pour de bon, là. Qu'on puisse passer en mode touriste. Bon, j'ai toutes les balles dans le, ouais, dans le chargeur. Allez, on y croit. Concentration. Il est mort, il m'a pas touché. Ouh, et je suis trop content. C'est beau. Oh. Espoir. Espoir, espoir, espoir. Faut absolument qu'à 17h je sauvegarde avec le système de briquet et mes deux là. De briquets de mes deux. Par où j'étais passé, je sais même plus. J'étais passé par là, je sais plus. Ah oui, ça y est, la mémoire me revient. Kiki bip. Qu'est-ce qu'il y a? Bah alors, j'ai mon ordi qui bip. Pas normal. Il devrait pas biper le vilain. La salle du fusil. Il faut pas que je merde les zombies et fusils s'ils me font suer. Parce que là j'aurai les moyens de répondre aux fusils. Mmh.
Je remplace par le fusil pété qui a la même masse. Je prends carrément le fusil, comme ça les zombies vont pas faire suer. Et je vais me barrer. On joue comme un pro, on joue propre. Que je le fasse en une seule fois là. Une bonne fois pour toutes. Je sais déjà plus ce qu'il y a derrière cette porte. Merde, ma mémoire s'est effacée. Ah oui. J'en connais un qui va prendre du plomb. Allez, ça vaut la chevrotine. Là, je vais commencer à les cramer. Le seul jeu où la vengeance... Ah non, merde, je suis pas allé chercher le... Ah, c'est vrai qu'il faut que je monte chercher le briquet, merde. J'étais déjà trop content trop tôt. Mais c'est vrai. Ah, je savais qu'il s'était relevé. Allez, bouge de là, comme dirait M.C. Solar. Je vais me faire du zombie flambé. Ça va devenir ma recette favorite. Brrr. Mais je m'en fous du journal. Je veux le briquet, ma grande. Prends le briquet. Merci. Oui. Il est où? Sont en bas. Je crois savoir qu'ils sont en bas. Non mais Capcom. Et là, il faut que je les flambe. Il a plus de tête. Ne me dis pas qu'il va se relever sans tête. C'est pas encore l'époque des zombies parasites, là. Il lui faut un cerveau pour se mouvoir. Merde, j'aurais dû faire une combinaison de plantes, trop tard. Brrr. Ah, ça me bouffe.
Bon, je vais me calmer avec le fusil et je vais le ranger. Un peu verte, un peu verte, un peu verte, un peu verte. Ouais. Oui, allez, on avance. Je vais faire un essai de zombie cramé là. Oh la vache! Ah, il est très épicé ce Resident Evil. Hein. Très très épicé. Ah oui, du coup, elle a aucune arme équipée, tout va bien. Ah. Il est là l'autre, non? Bah, où est l'autre zombie? Il y avait deux zombies, non? Là, il y avait une porte gravée avec je sais plus quoi. Ouais, l'arme gravée. Et là, il y avait quoi? Il y avait la cheminée. Ah bah, je peux allumer la cheminée, je suis bête. C'est vrai, maintenant que j'ai le briquet, je vais allumer la cheminée. Pardon, je détends mes jambes. Ah oui, il y a plein d'herbes. Ah merde, j'aurais peut-être dû ranger avant de sauvegarder, tant pis. Ce sera pour le prochain épisode. Utiliser. Ah, c'est beau. Les lignes de relief rougeoient sous la l'intense chaleur. Oui, d'accord, mais en même temps, c'est pas ça qui me permet de faire une photocopie de la carte, quoi. Verrouiller casque. Ouais. Casque, armure, épée. Oh la vache. Ah, j'aurais dû me rappeler le coup des plantes. Je les aurais bêtement rangées avant de sauvegarder. Au moins, c'était fait. Oh, ce fichu manoir. Ah ouais. Et il reste mort-mort, lui, par contre. Le fusil, il a pas digéré, c'est bizarre. Je reviens, il est revenu ou... On va tester. On va aller jusqu'au bout du raisonnement. Ah non, il n'est pas revenu. Et si je veux le flamber, comment ça se passe? D'accord. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Et donc j'ai... Ah d'accord! Le 2 correspondait au nombre d'utilisations. Alors, d'accord, en fait, les gros jerrycans, c'est 4 zombies à neutraliser, et ça va être dur à gérer. S'il y a 50 zombies, il va falloir 50 jerrycans. Enfin, 10. Je vous laisse, c'est l'heure de préparer ma célèbre recette de flamme à cush aux zombies. Bonne fin, bisous. Oui, bisous, merci d'avoir été là, Pompon. Merci, bonne soirée, à plus, Pompon. Je vais pas tarder à passer au Lego, hein, je vais...
Là, là, je teste un peu, je regarde. Verrouiller, l'armure gravée. C'est bizarre, je me souviens qu'il y avait plus de portes dans la version originale, non? L'amant, il y a le mec avec la radio et le coup du serpent géant. Je sais même plus diriger la... La demoiselle. Armure. Oui, non, il y avait une porte là dans le 1. Ils ont changé la géographie des lieux. Du coup, pour la prochaine, je vais être un peu perdu parce que je sais plus quoi faire. Je sais plus. Depuis l'autre côté. Ah. Correspondrait à quoi? Oh, puis il y a l'énigme de la des chevaliers broyeurs là. Lui aussi, j'aurais tout intérêt à le faire flamber. Il faut que je me recule. Ah oui, il faut que je me recule automatiquement, d'accord. Pour pas me manger des dégâts. Ok. Et quand ils ont flambé, est-ce que j'ai le droit à une récompense dans les dépouilles? Non. Non, ils ont rien sur eux. Oh la vache. Le jeu est d'une cruauté. Et là, j'ai plus rien. Je suis obligé de faire une recharge. Ouais. Pff, le jeu est balèze. Donc j'ai envie de dire presque pour le prochain épisode, là je le fais sans conviction aucune parce que je fais entre guillemets un peu n'importe quoi. Mais le prochain épisode, il faudrait que je joue sérieusement. Pardon. Ah oui, il y a le coup du sifflet du chien qui fait flipper. Ah oui, lui, il est pas mort. Il a le défaut de pas être inanimé. Alors, la porte là. Emblème d'un casque. C'est verrouillé, ouais, emblème d'un casque. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Ta. Oui, c'est fermé de l'autre côté, je sais. C'est fermé de l'autre côté. Est-ce que mon pistolet est rechargé? Je suis pas sûr. Ouais. Et c'est quoi cette histoire de bouquin à super planche là? C'est bizarre. J'ai pas encore percuté ou j'ai peut-être pas encore rencontré l'endroit où ça va servir, mais. Parce que je fais pas le lien entre l'objet et une quelconque énigme. C'était quoi là? J'arrive pas à mémoriser le manoir! Merde! C'est trop bien fait, je deviens fou. Attends, je vais... Ah oui, je repars dans le sens contraire du... Ouais. Oui, là, c'était fermé. C'était fermé pour moi aussi. Là, je pouvais récupérer éventuellement un chargeur de flingue.
Ah oui, le sifflet pour chien. Oui, blablabla. Ouais, crame plein de mémo, comme ils disent en anglais, en arrière-plan, là. Le mémo chiffonné. Oh, normalement, il y aura les chasseurs-hunters, là, les hommes lézards. Alors, ceux-là. Je sens qu'il va y avoir une compilation exprès d'une heure de morts par décapitation par ces cochonneries. Ouais, donc j'ai allumé la cheminée. Un peu bizarre pour la suite. Je sais plus trop où aller. Je suis obligé de faire le sifflet du chien sur la terrasse. Ah, j'aurais peut-être une clé bouclier ou une clé armure. Mais il faut que j'ai les tripes, on va dire, d'affronter le clébard dans le balcon. Je pense que c'est ça. Oui, tant pis, on va la péter. On va. De toute façon, je vais pas sauvegarder, là. Ah, je suis pas allé par là aussi. Il y avait un zombie qui m'avait fait flipper. Voilà. Bonjour, monsieur Flip. Il est grand. Reste couché. C'est verrouillé, emblème d'armure machin. Non, j'aurais aimé aller là d'abord. Possible? Merci. Ah oui, l'emblème de la famille Spencer. Merde, c'est vrai, j'avais déjà testé. Et là, normalement, oui. Ah, c'est. Ah. Il va y avoir des chiens. Puis non, il y a des 4 emblèmes hexagonaux, je crois, non? À moins que ça ait changé. C'est beau. Non. Je suis mort. Il y a quelque chose inscrit dans la pierre. Le profanateur du cercueil maudit. C'est verrouillé. Et je vais crever ici. Sauf si j'arrive à me barrer en me courant. Mais j'y crois pas. Voilà. Allez hop, c'est fini. Je ne résiste même pas. On va passer au Lego. C'était Resident Evil. Magnifique mais dur. Vraiment. Magnifique mais dur. Ouais, rip. Vous de Dieu. Non, j'essaierai de mettre à jour ma PS3 plus tard. Peut-être d'ailleurs dans la semaine, ça urge pas. Je pourrais faire ça à part, je vais pas vous enquiquiner avec ça. Je suis déjà bien content d'avoir réussi à l'avoir remise en route. Ce qui veut dire que les jeux PlayStation 3 et potentiellement 2 peuvent revenir. C'est bien. Ça me fera plaisir. Voilà. Ça me fera plaisir. Ta-da-da. Ah bah, you et au Lego. Et mon Lego de la vie. Non, Minecraft, ce sera du coup, ce sera pour ce soir. Ce serait pour ce soir. Alors, je vais vous mettre le tableau mystère.